Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Olana Medium. Alors comme promis, je vous avais dit que je ferai une vidéo, enfin on va peut-être en faire plusieurs comme, de temps en temps comme ça, parce que je l'avais fait auparavant et là c'est vrai qu'on m'a redemandé, j'avais lu un commentaire qui me demandait de reproposer ce genre de petit tirage. Alors c'est pas moi qui va interpréter, c'est plutôt vous qui allez interpréter. Donc vous avez le choix, hein, je vous ai mis les quatre jeux que moi j'utilise, enfin mon chouchou bien sûr c'est BioJeu 32, mais sinon moi vous savez que je n'ai que quatre jeux que j'utilise, donc c'est Monsieur le jeu 32, Monsieur l'Oracle des Miroirs, Monsieur le Grand était là et Monsieur le Béline. Donc, comme je vous avais dit, c'est vous qui allez interpréter, hein, vous, mes abonnés ou non abonnés, peu importe, on s'en fout, si cela vous fait plaisir, bien sûr. Donc, comme j'ai dit, je vais commencer par Monsieur le jeu 32, ensuite on va faire avec Monsieur l'Oracle des Miroirs. Alors, on va faire par étapes, hein, comme ça on ne va pas se mélanger, surtout pour ne pas vous mélanger. Donc je vais replacer tous les jeux là à côté. On va commencer avec Monsieur le jeu 32. Donc je mélange, je vais dispositionner. Alors je ne vais pas faire la coupe, parce que si je fais la coupe, ça va être le bazar. Je vais carrément mettre directement trois cartes et c'est vous qui allez interpréter. D'accord? Ok? Allez, je commence par Monsieur le jeu 32. Pour celles et ceux qui sont en apprentissage avec Monsieur le jeu 32 ou Monsieur l'Oracle des Miroirs, Monsieur Béline, Monsieur le Grand Tété là. Donc là, je vais étaler, d'accord? Donc je ne coupe pas, hein, ça ne sert à rien. C'est vraiment pour vous faire comprendre comment vous pouvez interpréter, mais c'est vous qui allez interpréter le tirage. Donc je commence par Monsieur le jeu 32, j'ai pris trois cartes, ok? Et voilà. Eh bien ça c'est super parce que c'est un super tirage. Alors je dis pas si le côté négatif ou positif, c'est vous qui allez me dire. Donc voyez, on a le 8 de pique en premier parce qu'on lit, hein, quand, que ce soit 3 cartes, 7 cartes ou 13 cartes ou 15 cartes, on lit de gauche à droite. Ok? Toujours, toujours de gauche à droite. Ok? Donc on y va. Donc nous avons le 8 de pique, nous avons l'as de trèfle, et nous avons l'as de pique. D'accord? Donc, voilà un beau tirage. Que ce soit dans le négatif ou le positif, c'est à vous de me le marquer dans les commentaires. Donc, pour le jeu 32, je répète, nous avons le 8 de pique, l'as de trèfle et l'as de pique. D'accord? Donc là, on est bon? C'est bon? Allez, hop. Et si, pourquoi pas, le dos de deck, je vous le dis en prime, on a un roi de trèfle. Tout simplement. Ok? Donc, je fais comme ça. J'espère que vous avez bien vu. Donc ça, c'est le dos de deck. Et ça, c'est le tirage pour le jeu 32. C'est bon? Allez, ça, c'est OK. On va faire pour celles et ceux qui aiment Monsieur l'Oracle des Miroirs. Je mélange un petit coup. Hop, hop, hop. J'étale. Je vous fais pas la coupe parce qu'après, ça va vous mélanger les pinceaux. Hop, hop, hop. Allez. Hop. Dos de deck. Naissance. Je regarde pas derrière. On est d'accord? Ok, en plus une carte positive, donc c'est bon. Ok, en premier, bouclier, la femme, maison. Ok, de gauche, au milieu, droite. Comme ça qu'on lit, d'accord? De gauche, au milieu, droite. On finit ici. C'est bon? Bouclier, femme, maison. Ça, c'est pour Monsieur l'Oracle des Miroirs. On va faire avec Monsieur Béline, pour celles et ceux qui adorent Monsieur Béline et qui sont en apprentissage avec Monsieur le Béline. Hop, hop, hop. Une, deux, trois. Je vous les mets à l'endroit, comme ça c'est mieux pour vous, pour lire. D'autres decks, la carte des nouvelles. D'accord? Despotisme, méchanceté, héritage. Ok? D'autres decks, nouvelles. Despotisme, méchanceté, héritage. On est bon? Gauche. Et on continue, hein, l'histoire. Je trouve que c'est pas mal pour apprendre. Et on finit avec Monsieur le Grand était là. Allez, on y va. Donc, vous inquiétez pas s'il n'y a pas la coupe, hein. Je la fais pas parce que sinon ça va vous embrouiller. Ok. D'autres decks, nous avons la terre, le voyage,
Là, en premier, la terre, le voyage. Je vous le mets comme c'est, hein. Là, vous avez, alors comme elles étaient devant moi, je suis obligée de vous les retourner. D'accord? Donc, vous avez le procès, l'utilité, l'enfant. Alors, c'est pour celles et ceux, hein, le grand été là, pour celles et ceux qui aiment le grand été là. Hein. OK? Alors, pour celles et ceux qui n'aiment pas, vous passez, hein, vous vous concentrez sur, voilà. Le procès, l'utilité, l'enfant. De l'autre côté, l'or, l'inaction et noble. OK? Or, inaction, noble. Mais on commence le procès, l'utilité et l'enfant. Je crois que c'était ça, hein? Ou c'était l'inaction, je sais plus. Je sais plus, vous reverrez. Je sais plus du tout si c'est bon. Enfin bref, c'est pas grave. Vous reverrez, hein, d'accord? Je sais plus si c'était l'inaction. Mais normalement, c'est l'utilité, hein? Je sais plus. Mais voilà. Ok? Vous remettez en replay si je me suis trompée. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est pour vraiment les trois petits tirages, enfin les quatre tirages, enfin que je vous ai proposés, quatre interprétations, que ce soit avec Monsieur le jeu 32, d'accord? Monsieur le Béline, Monsieur l'Oracle des Miracles, Monsieur le Grand était là, que je mets là. Donc, bah, vous me dites en commentaire, ok? Et puis, bah, si j'ai le temps, peut-être, ouais, demain soir, je commencerai ma petite vidéo plus tôt et je vous donnerai la réponse. D'accord? Ok? Donc voilà, donc là, tranquillou, vous prenez votre temps. Le jeu 32, franchement, il est facile. D'accord, c'est facile. Monsieur le Béline aussi. Bon, je dis ça, vous allez me dire, oui, mais allez, toi, t'es facile, hein, t'as une facilité. Oui, c'est vrai, j'avoue, je m'excuse. Mais franchement, ça va vous apprendre à faire ça. Le grand été là est peut-être un petit peu plus compliqué. Et encore, je ne vous donne vraiment pas tout dans le grand été là. Je vous ai dit, hein, promis, je vous ferai. J'espère avoir le temps la semaine prochaine. Je verrai si j'ai un petit creux pour vous faire vraiment un tirage sur le grand été là. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Donc pourquoi pas. Donc voilà. Et puis, bah oui, de toute façon, bientôt, c'est le direct. Donc voilà. OK? Donc, c'est bon, vous me marquez en commentaire. Tranquillou, hein, vous excitez pas, hein, les filles, messieurs. Prenez votre temps, réfléchissez bien, comme je vous ai dit. Concernant, si je reprends le jeu de 32, on avait ça et ça. Je vous fais ça. Hop, hop, hop. OK. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne sais plus si l'as de pique était renversé. On ne se prend pas la tête sur le côté renversé ou inversé, à l'envers, à l'endroit, on s'en fout. Ok, on s'en fout. Ok. Comme je vous ai dit, les cartes à l'envers, dans le jeu 32, de l'as jusqu'au, on va dire, de l'as jusqu'au 7, le côté renversé, voilà. Moi, je lis dans le jeu de 52 ou 54, je ne sais plus. Bon, enfin bref, moi, là, c'est à partir, là, c'est intéressant de lire les cartes à l'envers. Mais là, dans le jeu 32, ça ne sert strictement à rien, comme je vous ai dit. Les cartes sont quasiment, c'est que du retard ou des blocages, ou c'est vraiment minime. Voilà, d'accord? Donc là, vous me faites bien le tirage. Là, c'est facile, honnêtement, vous prenez votre temps, d'accord? Vous décortiquez bien, vous voyez, sur un papier, le 8 de pique, qu'est-ce que c'est? L'as de trèfle, qu'est-ce que c'est? L'as de pique, qu'est-ce que c'est? Là, vous notez sur un papier. Ensuite, vous faites par deux, d'accord? As de trèfle associé au 8 de pique, c'est quoi? D'accord? Ok. Et ensuite, après, vous rajoutez l'as de pique. Ok? Donc voilà, vous me tenez au courant? Je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore. On se dit à demain pour votre tirage du jour et puis le résultat. D'accord? Moi, je vais tout noter pour ne pas m'embrouiller. Comme ça ira plus vite parce que ça fait quand même des grandes vidéos. Après, et je ne veux pas que ça soit des grandes vidéos, vous me connaissez. Vous connaissez la mère au lait. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une excellente soirée. Et puis, on se dit à demain. Ciao, ciao. Bye bye. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore. À demain. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bye bye.